Depuis 2005, le Mans FC n'a pas gagné contre Laval. Le derby du Maine, joué ce vendredi 17 septembre, pourrait être la revanche tant attendue par les joueurs, encore marquée par la dernière défaite au stade lavallois en mars 2021. Ce genre de match, ça redonne une motivation un peu plus importante. Donc même quand on s'entraîne, on sent un peu plus de conviction, de rigueur. On sent que les mecs, ils savent qu'ils vont jouer un derby. Et c'est sûr qu'on se prépare différemment. On sait la rivalité qu'il y a entre les deux clubs. Donc je pense que c'est le bon match pour rebondir et oublier notre match à la maison et la défaite qu'on a subie contre Sedan. Car plus près de nous, en sixième journée de championnat de national, le Mans FC s'incline contre Sedan. Les Sang et Or ont eu quelques jours pour travailler leur mental et repartir au combat. De toute façon, après une défaite, il a toujours la confiance que les joueurs y perdent un peu. Donc oui, il faut travailler un peu le mental, il faut travailler un peu l'état d'esprit. Donc ça fait partie de travail d'un coach et d'un staff. Donc c'est vrai que tout le monde était déçu. Donc, mais comme je viens de vous dire, aujourd'hui ils ont l'opportunité d'enchaîner et de faire un bon match demain. Je connais un peu les derbies. Donc j'ai eu le plaisir de jouer pas mal, que ce soit ici en France, que ce soit au Brésil. Donc je connais un peu. C'est engagé, il y a la région, il y a les supporters, ils parlent tout le temps de match. C'est le match le plus important de la saison. 6000 spectateurs sont attendus au stade Francis Lebasserre ce vendredi, dont 500 supporters du Mans FC. Coup d'envoi, 19h.